Il y a un rappeur que je connais, mais absolument non, pas. Non, c'est normal. Qui vient d'être arrêté. Deux pas en avant, deux pas en arrière. Tiens ton fusil, allons-y. Arrestation, c'est incroyable. Je croyais qu'on avait l'ennemi public numéro un, là. Vous nous parlez maintenant d'un rappeur montréalais qui a été arrêté en possession d'un véritable arsenal. On va vous montrer comment les négros de la rive sud opèrent, t'entends? C'est ça, ça veut dire? Désolé, mais non, c'est qu'il est fort connu, mais sur le web. Mes nègres sont prêts pour la guerre. C'était ouf, là. J'ai vu l'arrestation, le truc qu'ils ont fait sur les chaînes. J'ai dit, c'est un truc de ouf, c'est monstre. La police de Montréal a procédé cette nuit à l'arrestation d'un rappeur du nom de Roi Enoch. Roi Enoch, rap radical, tactique palestinienne, supporte l'opium et la vente de roches. Des armes à feu, une veste par balle, de l'argent aussi. On est de rendez-vous avec ta pute et mon chargeur rempli. On vous a souvent dit que les policiers de la Sûreté du Québec étaient très sérieux avec leur service de cybersurveillance. Mon fusil à pompe à la main, mon calico en main, prêt à tirer sur sa putain, le délateur qui parle trop. Bien, on en a eu la preuve la nuit dernière. Parce que le rappeur Roi Enoch, qui n'a pas de casier criminel et qui n'est pas connu non plus comme un membre de gang de rue, a été arrêté pour des vidéoclips. Mais des vidéoclips où il montre des armes. Tous mes négros ont ce style de jouet. Tous mes négros, je dis bien. Tous mes négros sont allumés bordéliquement. Ils sont fêlés. Leurs têtes sont toutes fêlées, t'entends? C'est un peu trop provocateur. Oh. Cocaïne, rap, musique, la nouvelle drogue. Roi Enoch. Cocaïne, rap, musique, ta nouvelle dépendance. Qu'allez-vous faire? Cocaïne, rap, musique, Roi Enoch, donc crack, ta kétamine. Qu'allez-vous putain faire? T'entends, Roi Enoch, hein? Il a choisi ça d'être... il fait un petit peu l'apologie du gangstérisme, mais c'est tout au second degré. En Europe, il est très, très, très connu. Et ça ne serait pas passé. Les gens comprennent bien, si vous allez sur des sites Dailymotion, vous allez voir les commentaires, vous allez voir tout. C'est un jeu. Pour les policiers, ça n'a pas été un jeu. Ben oui. Quatre individus sont toujours détenus en interrogatoire et des accusations reliées aux armes à feu seront déposées. Et regarde, c'est la petite mouette là, qui est venue pour l'arrestation d'Enoch. Elle a eu une promotion depuis ce temps-là. Le crime paye. C'en est la preuve, hein? Le petit chien du gros chien. Et là, il habite juste en dessous, au deuxième. Juste en dessous. Moi, je m'en fous, parce qu'il est de l'autre côté, fait que je l'entends pas, tu comprends? Parce que le pauvre mec qui habite au-dessus de lui, là, c'est pas le bruit des balles qui me dérange, hein? Je vais te dire. Toute la journée, du matin au soir, il bosse. Je sais pas. Tu sais, il n'a même pas le temps dans une journée de faire un petit acte criminel, la vérité. Hein, toi? Ouais, mords-le-lui. Ouais, tu vas dire, ouais, mort. Ouais. Viens. Cookie, je suis un peu pédé quand même. Faut le dire, hein? Finalement, ça se résume à une accusation pour avoir une arme au pied de son lit. C'est un phénomène que je connais bien. Moi, je suis sorti le lendemain pour la même accusation. Lui, c'était plus gros. Moi, j'avais un 32, mais enfin, ça fait des trous tous les deux. Hein. Ça s'est fait durant la nuit, tu vois. Mais ils ont commencé par téléphoner au gérant pour qu'il descende à la sécurité. Et il y avait des flics qui l'attendaient pour voir si les plafonds ressemblait à celui où on voit des armes. Ils ont vu que c'était les mêmes plafonds, donc ils se sont dit, on fait venir les blindés.
je vais vous montrer sa chambre de sécurité et vous allez voir la sécurité elle-même. Salut Dan, ça va? Ça va, ouais, oui, oui. Oui. Ouais, alors voilà le mur. C'est là qu'ils m'ont fait l'interview avec la petite Caroline, la mouette, qui m'a fait un petit montage très particulier en ce que j'ai dit, puisqu'elle nous a montré ce jour et la nuit. Je vais dire quelque chose. C'est pire que Saddam Hussein, ça. Donc tout avait été filmé de A à Z avec un zoom infrarouge. On peut aller filmer assez loin, pas mal. Putain, t'entends? Jean Doe qui était ici, on ne savait pas trop c'est pourquoi. Il y avait 25 qui avaient été interpellés, savoir où est-ce que Enoch travaillait. Le policier, c'est ça, il a dit qu'il y avait eu quelqu'un qui avait appelé au poste de police disant qu'il y avait une vidéo sur YouTube. On voyait plusieurs armes, silencieux, douces, pompeux, etc. Et c'est pour ça qu'ils sont venus faire l'arrestation. Donc ça, c'est peut-être 3-4 heures après que l'agent d'eau était ici dans la salle. C'est les premières images qu'on voit quand la police arrive. Il y avait comme 10-12 chars, là. C'est absolument ridicule. Une escouade tactique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une douzaine de chars de police, des agents d'eau. Quelqu'un, ils viennent me chercher, allez, allez! C'est putain de keuf! Ils viennent me chercher, je vois, je vois! C'est putain de keuf! C'est putain de... Mais n'ayez pas peur des vestes bleues. Ne soyez pas impécunieux. Exactement, mon frère. Mais qu'est-ce qui se passe? Le hip-hop police? Ils viennent pour moi ou quoi, mon frère? La gendarmerie? Il faut qu'on se putain de plante. Allez, allez, allez. La gendarmerie, ce n'est pas des gamineries. Allez, 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 c'est putain de keuf. Sans délance, sans violence, sans avance, sans petit mitora. J'ai attendu cela pour que mon kalachnikov allume ton plan. C'est tard le soir, j'étais avec une petite chienne, tu vois mon frère, une petite douce. Luxe de roi exclusif, en adoration est apte. Je sais. J'ai fini de venir faire exploser de plaisir cette petite. Cette brebis. Après, je me prends sa commande, n'importe. Je descends, je regarde dans le trou, je vois un noir. Il faut que je vais chercher le marteau. Putain, je regarde encore. Je vois bien, je vois à peu près une meute de policiers. La dose rap à base de morphine qui fournit la matière indestructible. Le gaz moutarde. Tout le building était entourloppé de police, d'agents d'eau avec les guns et boucliers. C'était assez malade, c'était gros chaud. Le nouveau parrain de Colombie. Qui est celui que Paris attend plus que le retour du Christ? Les squads tactiques sont venus le chercher d'une façon monstre, résidentielle. Je suis dans une vanne résidentielle. Tout est présidentiel. On n'avait pas les moyens de communiquer avec Enoch parce que. Il y avait un mec qui était devant nous cellulaire en permanence. C'était présidentiel, quoi. Sans dénonce, sans violence, sans amour, sans que tu imiteras. C'est l'escouade qui arrive. Bouclier, chien, toute la patente. Monsieur Enoch. J'attends que cela. Le criminel de Montréal. T'entends? C'était peut-être une vingtaine. Il y avait les GIGN qui étaient déplacés, des flics partout. Une vingtaine juste avec des flingues, des AK, des trucs. Et après ça, il y avait des détectives, toutes sortes. Pape Noir, qui est connecté comme l'Opus Dei. Un chien, plus spécifique de mes armes. Qui est le numéro 10? Qui en a quelque chose à foutre? Qui est fait pour les rebelles? C'est là que tout l'étage des Nord s'attendait vraiment à. Ils ont cru que j'allais faire un Rainbow 4. Je leur lancerais des grenades et ils pensaient que j'allais faire une guerre. Quoi, tu vois? Qui j'ai assassiné avant même d'entrer dans les ligues majeures? La gravité dans mon style de vie. Dans le passé. Amène un déploiement de la sorte. C'était à ce point-là que le sérieux dans ma façon de bouger
était lorsque j'étais dans la rue. Donc, ce sont des trucs qui remontent à longtemps. Voilà le pourquoi d'un aussi grand déploiement. Je sais que t'adores cette merde de criminel. Je sais que t'adores cette merde de criminel. Ils ont sorti peut-être une, deux, trois personnes, dont Kit Carson, un DJ à Montréal, qui était comme un petit peu surpris de se faire sortir de chez eux. Il pensait que c'était pour lui, mais en tout cas. Salut, Kit. My name is Fake Jake. I'm a DJ. I travel the globe for product. Enoch has been my neighbor for the last 7 years at the chateau. Ils disent que les murs sont faits en plâtre, il y a quelques murs de briques, et que les styles de flingue que j'ai peuvent exploser même le métal. Mais si vous êtes des oufs, je pense que je vais me prendre contre 30 mecs avec des AK et tout. Ah non, ils sont des putains d'ouf, tu vois. Maladivement, Rogan régularise de la bonne façon et pour me procurer de l'armement. That day I was sleeping, I heard a very subtle knock, a gentle knock. I bolted up, right, in my bed. As I peered into my window, I saw three men completely in body armor, just basically the eyes open with assault rifles in the hallway on the wall opposite where my door is. J'apprends à piloter, mes nègres sont prêts. Two policemen came in. They told me that they would like me to leave the premises immediately, that the premises were no longer safe. Of course, I was confused. And at this point, I dressed and I went down the stairs. Et on n'arrête pas un autre putain de négrito qui vient de se faire tirer. Oh, mais qu'est-ce qu'ils vont putain de faire, hein? As they were uttering me out, they were moving battering rams. So these battering rams now were being moved towards Enoch's door, and as I was leaving to go down the steps of the chateau, I saw that they were assembling in front of his door. Les connexions sont là, les millions de mecs sont là, les tours jumelles ne sont plus là. Moi, Enoch, arrivé régularise pour toi, t'entends? Ils ont tapé sec, fort. Je croyais que c'était le tapement de une petite meuf, car le soir, avant ce soir-là, j'étais avec une autre femme. Tu vois... J'ai vu durant la semaine qu'ils m'ont eu trois femmes différentes. Alors je croyais que c'était des problèmes, des trucs de meufs. C'est sûr qu'on arrive avec nos fusils et que tous mes amis la passent. Hein? Hein? La putain de bordel de petit. C'est rempli de putain de tactiques. Une escouade. Alors j'ai ouvert, je me suis jeté à terre et j'ai dit à la petite meuf, tu te rhabilles, ça vient de finir là. Et j'aurais dit, avec le style de flingue que vous possédez, avec ces lasers qui sont dans ma face, je coopère, il n'y a pas de problème du tout. Ils ont défoncé dans le sens que, allez, c'est à terre, tu fermes ta gueule, on vient ici et on fout. J'ai vu un des flics après, dans le bureau de sécurité, j'ai dit, mais pourquoi vous avez défoncé la porte? J'ai dit, vous cherchez les armes comme sur le vidéo, donc des mitraillettes, des choses comme ça. Il me dit, ouais, mais on a entendu le bruit de la chasse d'eau. Alors moi, j'ai dit, voyons, avant de faire disparaître des armes dans le trou d'une chasse d'eau, il faut au moins appuyer deux, trois fois quand même. Je me suis jonché sur le plancher, tu vois, ils m'ont passé... le truc, quoi, tu vois. Ils m'ont mis leurs menottes de merde. There's a Japanese saying which is the nail that stands out gets hammered down. Enoch prefers to be the hammer. So when a hammer is going against a hammer, there's a terrible noise. Et on n'arrête pas un autre putain de négrito qui vient de se faire tirer. Oh, mais qu'est-ce qu'ils vont putain de faire, hein? Je ne cause pas avec les flics, car il n'y a rien qui m'intéresse dans qu'est-ce qu'un flic peut me raconter. Donc, j'ai demandé mon droit de silence et de voir mon avocat, tu vois.
Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis de ça, négro? Qu'est-ce que tu dis de ça? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis de ça? Je cherche qu'à réussir, réunir plus d'un million par semaine. La vie est courte, faut risquer. Les notes veulent tous les tuer. Tu es tous ces pélis amateurs dans cette entreprise du rap français. Je crois qu'ils ont rentré un peu trop dans le film et ont pris trop aux scènes. Moi, je trouve que c'est un Oscar qui devrait me tenter. Il devrait me balancer un Oscar au lieu de me foutre en taule, car c'était que une putain de scène. Moi, c'est avec ça que je travaille, t'entends? Je pense que c'est un jeu. Le seul jeu, c'est que j'ai pas encore le silencieux. Putain de merde, habituellement, le silencieux est fourni à l'achat chaque jour. Et tellement que j'ai acté bien, ils sont venus, ils se sont dit noir. Flingue, c'est sûr qu'on défonce, puis ça va être bon pour nous, quoi. The anti-gang task force had received quite a bit of money, quite a bit of an injection in the last months before this event. So this was largely, in my mind, a show of force and a show of, yes, we're showing the public that we're using this money in a positive way. On a essayé de faire un bon coup, mais je pense que ça n'a pas marché à 100%. Et puis alors là, la quantité d'accusations qu'il y avait sur lui, là, c'était pas possible. Il m'accuse de cocaïne, de possession d'armes, de toutes sortes de trucs, tu vois. C'est eux, ça. Je sais pas ce qu'ils racontent, eux. Mais moi, je peux dire que... ça va se passer en cours, quoi, tu vois. Un procès. On va aller en procès. Hein? Du calme, s'il vous plaît, c'est chaud ça. C'est on chaud, écoute, ça, on c'est écoute, chaud. On écoute. On va laisser savoir à toute la planète que Stratège est un rappeur gay noir et homosexuel. On va laisser savoir à Rof que Stratège est un délateur. On va laisser savoir à Sifu que Stratège. Ce délateur de merde, c'est à cause de lui que je t'entoure, ce Stratège. Stratège, mais là, il est fini là, avec ce morceau-là. La petite négresse. À bicyclette. Stratège est un autre musicien québécois qui dénonce l'éloge de la violence véhiculée par Roy Enoch. Il ne faut vraiment pas partir en panique en se disant que tous les rappeurs sont comme ça. On a énormément de mal à être pris au sérieux par les médias, les autres styles musicaux. Un épisode comme ça va juste mettre un petit clou dans le cercueil. Putain, le petit délateur de Negrito avec ta tête de bingo. Pendant que tu penses me voir emprisonné, je prends feu. Et viens dans le vagin de ta femme avec ton rap stérile. En plus, tu es précoce. On va laisser savoir à Lino que Stratège est un délateur. Stratège, toi et tes macaques, ne rentrez pas sur la France. Il vient du groupe Stratège, l'architecte. C'est un mec qui vient de France, qui a déménagé à Montréal et a essayé de percer dans le rap à Montréal, la rue, la régularisée ville. Il squatte sur ta petite tête. J'ai fait une confrontation avec un morceau qui s'appelle Moteur 12 cylindres. L'architecte, je t'ai déjà tué. Pourquoi essaies-tu de ressusciter? Depuis ce morceau, il est mort. J'ai un délateur. La France ne veut pas de toi, ni de Kobna. Le roi Enoch t'es chic, toi et ton clan. Incluant sans pression, entouré de ses 13 blancs. Le morceau où est-ce que le roi Enoch essaye de m'écorcher personnellement, moi je trouve ça une blague parce que quand tu veux clasher quelqu'un, il faut que tu clashes quelqu'un qui est à ton niveau, qui a le même statut, tu vois, où est-ce que, bon, après une certaine année de carrière, on peut dire, bon, regarde, on va régler qu'est-ce qu'on a réglé. Stratège, toi et tes macaques, ne rentrez pas sur la France, démissionne, t'as beau sucer Zoxy, avec le roi Enoch, les rappeurs français restent posés. T'as beau sucer Oxmo, c'est déjà mon poteau. Mais Roy Enoch, à la base, c'est un DJ qui a fui à New York pendant une dizaine d'années. Il est revenu une dizaine d'années plus tard et il ne comprenait pas la réalité du hip-hop au Québec. Donc ça a amené d'énormes frustrations. Puis là-dessus, il a inventé son personnage. Putain, Stratège, la petite négresse, la petite s'est volée en plus à l'arrière, il y a un banc pour bébé. Pour essayer de revenir en vie, il est venu en France à sucer des oxy-trucs. A essayé de faire quelque chose de chaud, mais la France le refuse et à chaque fois qu'il parle, qu'il vient de Montréal, il lui parle du roi. Stratège, la petite négresse, la petite s'est volée en plus à l'arrière, il y a un banc pour bébé.
Vu sa frustration, lui et son équipe qui militent contre la violence dans le son du roi, bande de pédales de rappeurs, ont délaté, quoi. Au Québec, Musique Plus a toujours refusé de faire tourner les vidéoclips de Roy Enoch. Et avec son arrestation, le réseau persiste de plus belle à affirmer qu'il est hors de question de promouvoir cet artiste à saveur de propagande. Vous jouez tous à Musique Plus, le nouveau nom Musique Plus. Toutes ces chaînes sont en association avec ce genre de mec, car pour eux, je suis une menace. On va laisser savoir à ces fous que Stratège est un délateur. Stratège, la petite négresse à bicyclette volée, en plus à l'arrière, il y a un banc court, bébé. Ils savent que je suis le prochain Céline Dion dans le monde de la musique et ça les fait peur de voir que ça soit un homme de race noire. Donc, c'est plus une question politique aussi qui fait que... Tu vois? Je sors de tôle, négro. Quelqu'un qui vient me chercher. Allez, allez. Le cartège de gendarmes. Hein? Qui venait coffrer le roi pour me ramener au cachot. Je ne sais pas si monsieur le juge va être autant sympathique avec le roi en France qu'à Montréal, je ne crois pas. Les nègres ont assez foutu de merde et les arabes, eux, il n'y a rien à faire. Donc, monsieur le juge... Oh non, il a laissé sortir robe de tôle. Le représentatif de la rive sud, qui est lent et triste et en même temps bon messie. Je suis dans la matrice. J'ai remarqué qu'en prison, j'étais un star. L'établissement de détention, le gros chien est venu me prendre et a pissé sur leur établissement. A sorti son putain de zizi, a pissé à leur cul. Ils pissent partout. Et... Tout est putain de vrai, tu vois. C'est une façon de gros chien qui a 100 fois ni les lois. On pensait de faire un coup d'éclat pour te dire la vérité, puis d'arriver avec la limo directement à la tôle, mais on n'avait pas le droit de stationner devant la tôle, ils nous ont envoyés dans la rue et tout. Ils nous ont vus, quoi. Ils nous ont vus, mais... On parlait de ça pendant des semaines. Ouais, mais enfin... Tous les gardes, tous les caméras, tout le monde, ils nous ont vus, quoi. Ouais, mais ils ont gardé ça secret pour eux. T'as même vu toi qui pisse sur le... Ah, ils m'ont vu, ah ouais. J'ai mes avocats qui m'ont dit... Ah, j'avais envie de pisser, il n'y avait pas d'arbre, alors il y avait le panneau. Sur l'établissement de détention RDP. C'était un truc de ouf, mec, en sortant tôt directement. J'ai remarqué qu'en prison, j'étais une star. Je taffe et jamais je prends le temps de sortir pour voir l'effet de mon travail sur les gens. Donc, en rentrant en tôle, j'ai vu que les délaissés, comme les mecs qui vendent de la drogue, les mecs qui sont des junkies, les mecs qui rentrent pour des meurtres, des vols de banque, tout ce qui est pauvre et qui a de la misère, qui fait à fond. Pour eux, j'étais comme le pape, quoi. Avant, le pape se promenait dans le même truc. Ils l'ont fusillé. Ils l'ont mis dans une patte mobile blindée. Ouais, ils l'ont loupé, c'est ça qui est con. Comme Sarkozy dans une Peugeot blindée. Ils l'ont loupé, hein. Ouais, Sarkozy, ça me dérange pas trop, mais le pape, là, s'il pouvait me le flinguer, là... Putain, le Benoît XVI. Benoît XVI. Collection de Ferrari. La berlinette allemande, je ne pense pas. Tu es un petit pédé, je pense que oui. C'est super, de l'amour, tu vois. De les membres de gang aux Hells Angels, à tout le monde que j'ai vu, blanc, noir, des Chinois, toutes sortes de mafias, il y avait de l'amour à fond, quoi. J'étais comme un genre de Nelson Mandela, tu vois. Il était très heureux de sortir, hein? Mais même s'il a eu beaucoup d'amour en dedans, je crois qu'il a préféré l'amour dehors. Exactement, mon frère. Ouais. Il n'y a rien de mieux que sa liberté et de baiser une chienne lorsque tu veux, à l'heure que tu veux, hein? Et de la faire faire de l'ecstasy à ta guise, tu vois? Allez, je rappe pour la coke, la marijuana. Rien change, plus d'argent, plus de problèmes, plus de poudre blanche. Lorsque t'es un nègre de rue, tu fais du rap de rue pour les nègres de rue. La plupart de tes fanatiques sont en taule. Les vrais nègres qui font des vraies choses, je t'ai protégé. C'est dans ce sens-là que la prison était superbe. Tout ce que je voulais comme caprice était à la portée de ma main, tu vois? Toute ma vie, j'ai rêvé que...
des criminels soient inspirés par mon son pour se sortir de leur misère, tu vois. Donc ça fait plaisir que des gens qui font des vols de banque sont fanatiques du roi.